Bonjour et bienvenue à toutes les amies de Jinshin-Jitsu. Bienvenue, Nathalie. Bienvenue, Ali. C'est formidable. Your French is better and better. Not my Portuguese, but one day. Yeah. Merci beaucoup, Ali. Merci Merci. beaucoup d'être là pour nous tous. C'est très gentil à toi. So, bienvenue à tout le monde. Et bienvenue ici, donc à Paris. Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse à nouveau de partager avec vous ce moment de méditation. Et voilà, très heureuse, tout simplement. Alors, aujourd'hui, c'est deux verrous qui me tiennent vraiment à cœur. Ces deux verrous, donc, c'est le verrou de sauvegarde numéro 11 et le verrou de sauvegarde numéro 17. Alors, très simplement, même si vous venez pour la première fois, même si vous pratiquez pour la première fois le Jinshin-Jutsu, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit tout simplement de poser vos mains, par exemple, sur le verrou de sauvegarde numéro 17, donc un toucher qui est doux, un toucher qui est franc. Pas besoin d'appuyer, pas besoin de masser, simplement de poser. Je vais vous montrer donc où sont les verrous. Donc le verrou de sauvegarde numéro 11 se trouve donc à la jonction entre la nuque et l'épaule, tout simplement. Je vous montrerai tout à l'heure sur moi. Et le verrou de sauvegarde numéro 17 est très facile à trouver. Il se trouve donc sur le côté latéral du poignet dans le prolongement sur la ligne de l'auriculaire, très simplement. Alors, chaque verrou a une signification. Le verrou de sauvegarde numéro 11 veut dire donc justice, se débarrasser de bagages inutiles. Et le verrou de sauvegarde numéro 17, c'est l'énergie reproductrice. Et le 17 apporte une relaxation du mental et des nerfs. Alors, par rapport au signe astrologique, cette combinaison de 11 et 17, le signe astrologique du verrou de sauvegarde numéro 11, c'est la balance. Et le signe astrologique du verrou de sauvegarde numéro 17, c'est le Verseau. Alors, la balance, elle, son message, c'est nous. Et le Verseau, justement, c'est de faire que le je devienne justement le nous, ou le nous en je. Voilà. Donc, ces deux verrous nous parlent d'une certaine façon d'équilibre, de justice et de cœur. Alors, ce que nous allons pratiquer, c'est en fin de compte, la main droite va être sur le verrou de sauvegarde numéro 11 à droite. Et la main gauche sera donc sur le verrou de sauvegarde numéro 17 à droite. Je vais vous montrer donc sur moi. Il suffit tout simplement de poser, changer de côté, de poser votre main droite comme ceci, donc à la jonction entre la nuque et donc l'épaule, ce qui fait que votre auriculaire, en fin de compte, touche votre nuque. Et avec votre main gauche, c'est de tenir donc le 17 à droite, c'est-à-dire sur la partie latérale j'espère que ça fera pas de bruit avec le micro. Du côté de l'auriculaire, comme ceci, où vous pouvez très bien appliquer donc le pouce ou toute votre main, ce qui est de toute manière le plus confortable. Voilà. Et si cette position n'est pas facile pour vous, alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement tenir les hauts 19. Les hauts 19, vous voyez, il suffit de croiser vos bras ainsi. Votre main se trouve entre l'épaule et le coude. Très simplement. Et si cela n'est pas facile, à ce moment-là, c'est tout simplement de
tenir cet auriculaire la façon la plus simple, sans serrer, sans masser. Voilà, je vais commencer par le côté droit. Et je pense qu'ensuite, si vous avez envie, soyez libre justement de faire donc l'autre côté. Donc très simplement, je vous montre comme ceci. Ici, c'est l'auriculaire, comme ceci. Alors, je vais repositionner au cas où quelqu'un arriverait beaucoup plus tard. Voilà. Toutes les informations sont là. Donc, installez-vous confortablement. Prenez une position qui est naturelle, qui est sans effort. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous respirez à votre rythme. Vous n'essayez pas d'accélérer votre respiration. Vous n'essayez pas non plus de la ralentir. Votre respiration est telle qu'elle est. Vos pensées sont telles qu'elles sont. Pour faciliter ce mouvement d'être dans le maintenant, vous pouvez prendre conscience de votre respiration, prendre conscience du mouvement de chaque respiration, de chaque expiration et de chaque inspiration. Imaginez ce souffle à l'intérieur de vous-même, d'être inondé par ce souffle, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Imaginez l'expiration de la tête jusqu'aux orteils, d'imaginer cette inspiration des orteils jusqu'à la tête. Cette vague qui nourrit chaque partie de votre être. Prenant conscience de votre expiration, vous déchargez toute saleté, poussière et crasse. Vous faites de la place, de l'espace. En faisant cet espace, vous vous permettez de recevoir ce nouveau souffle purifié. De recevoir cette énergie revitalisante, nourrissante. Cette combinaison de 11 et 17 va vous apporter beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de sécurité.
11 et 17 vont nourrir tout votre être. De se sentir nourri, de se sentir relié. D'avoir cette capacité de relâcher nos perceptions dans des dimensions illimitées. De savoir qu'il n'y a pas de limite. Qu'il n'y a pas de limite à notre propre rayonnement. Mieux se connaître, c'est mieux rayonner. C'est mieux prendre soin de soi. Beaucoup plus de bienveillance envers soi et envers les autres. Beaucoup plus de compassion envers soi et envers les autres. Onze et 17 vont nous permettre d'être moins stressés, moins fatigués, de ne moins faire d'efforts dans notre vie, de vivre cette réalité sans effort. Si vous voulez changer de côté, vous pouvez rester sur le même côté ou changer de côté comme vous voulez. Onze et 17 vont alléger notre vie, vont rendre notre vie plus facile, plus joyeuse. Vont nous permettre aussi de prendre du recul. Onze et 17, c'est ensoleiller notre vie, ensoleiller les gens qui nous entourent, apporter de la chaleur, apporter de la bienveillance, apporter de la lumière. Se rendre plus lumineux. Et rendre plus lumineux les gens qui nous entourent. Onze et 17 vont apporter une puissance, une force à notre être intérieur. Aucune ombre ne résistera à votre lumière, à cette puissance, à cette force solaire que chacun est.
11 et 17, c'est se relier à notre essence, à notre soi véritable, à ce soi qui est parfait, à cette essence qui est parfaite. Onze et 17, c'est s'ouvrir à la vie. C'est s'ouvrir à tous, à tout événement. C'est se rendre plus disponible, avoir une meilleure écoute. Ne plus simplement regarder, mais voir. Avoir cette perception de voir au travers. Ce troisième œil. De ne plus se fier aux apparences. Ces apparences qui n'existent plus. Se voir soi. Ce soi véritable et ce soi véritable de l'autre. S'ouvrir au monde, c'est justement ne plus avoir de peur, les effacer. Prendre confiance en soi. Retrouver sa dignité. Retrouver sa puissance. Retrouver cette noblesse que chacun est. Onze et 17 vont faire rayonner votre cœur. Et ce cœur fera rayonner tous vos organes. Donnez de la puissance à chaque organe. Onze et 17. Se relier à cette forme invisible, à cet esprit que tu es, que vous êtes. Ce cœur nous parle de perfection. Le cœur est parfait. D'être cette puissance fécondante, cette puissance de création.
N'ayez pas peur de qui vous êtes. N'ayez pas peur de votre propre lumière. Vous êtes. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci d'être là. Et je vous dis à la prochaine fois, jeudi prochain à la même heure, 19h à Paris. Je ne sais pas encore quel sera le thème. Donc, merci à tous. Et merci beaucoup à les Muito Obrigada. Thank you very much. Merci beaucoup. Coração? In Spanish? Coração. Coração, in Portuguese. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. À bientôt. Je vous embrasse. Mais, et à bientôt tous.